Une semaine déjà passée après le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, suite à sa condamnation à vie par le gouvernement à Abidjan, le président du mouvement Génération et Peuple Solidaire annonce son retour. Guillaume Soro annonce qu'il doit rentrer à Abidjan pour très bientôt. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Le président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, dissoute par la justice ivoirienne et le RHDP, refait parler de lui en ce jour. Avec ses prédictions, Guillaume Soro a dans un message galvanisé ses partisans en leur demandant de rester mobilisés à travers la Côte d'Ivoire et son éventuel retour en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro le place sous les aspices de la conjecture divine. Les militants et sympathisants du défunt Génération et Peuple Solidaire ne doivent pas baisser les bras à rétorquer Guillaume Soro en ce jour. Au contraire, ils doivent se mobiliser pour se reprendre. À travers la Côte d'Ivoire, c'est ce que leur demande le leader politique en ce jour, Guillaume Soro, qui vit en exil. Guillaume Soro annonce son retour après celui du président Laurent Gbagbo. C'est ainsi que Guillaume Soro, le président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, les invite à se dépoiler à travers la Côte d'Ivoire pour continuer l'implantation du mouvement politique qu'il préside présentement chez les militants et sympathisants. Allez par hameaux, campements, villages et villes et allez au sommet de Génération et Peuple Solidaire. Allez s'aimer le Génération et Peuple Solidaire dans le cœur de chaque citoyen. Apaisez vos cœurs et prêchez la bonne parole de paix et de l'amour. A raconté Guillaume Kibafori Soro en ce jour, condamné à perpétuité dans l'affaire d'un coup d'État présumé en 2019 contre le régime du président Alassane Ouattara. Et en dépit de cette condamnation, Guillaume Soro pense que son retour en Côte d'Ivoire est de l'ordre des possibilités. A ce sujet, il a dit à ses partisans de ne point gêner et de se morfondre dans des complaintes internationales. Il se veut rassurant, convaincu que le divin l'aidera dans cette entreprise à travers le RHDP et le Génération et Peuple Solidaire. Ne vous lamentez point, car je foulerai la terre ivoirienne par la grâce de Dieu, a lancé Guillaume Kibafori Soro, qui a publié son message avec une photo du producteur David et lui-même. Rappelons que depuis le retour manqué de M. Guillaume Kibafori Soro en décembre dernier, ses proches collaborateurs ont été arrêtés et incarcérés dans les différentes prisons d'Abidjan, telles que nous avons entre autres Aline de Bognon, Soul to Soul et plusieurs autres personnalités de la scène politique. C'est ainsi que le président du GPS Guillaume Kibafori Soro a profité de l'occasion en ce jour et se prononce après Marcel Amontano, Albert Mabritoakese et plusieurs autres personnalités. Nous avons entre autres le PDC RDA de M. Henri Konambeti, le FPI du président Laurent Gbagbo, le COGEP de Charles Blé Goudi. C'est ainsi que Guillaume Soro profite de leur voix et s'impose en Côte d'Ivoire.